qu'il y a une multitude de choses qui rentrent en ligne de compte. Elle est surprenante parce que elle nous prend de court. On n'est jamais prêt pour être enivré, pour aller sur la vague. Comme le vent souffle, on va avec. On est très peu prêt pour ça. On est tellement habitué à avoir des lignes de direction. Et ces lignes de direction-là, en fait, elles sont conditionnées par une conclusion. Et c'est rentré dans les mœurs. C'est la raison qu'on donne à la vie. On donne un sens à nos vies en disant que c'est comme ça, c'est comme ça. Et ça prend un sens pour celui qui fait la vie comme il l'aimerait. Mais tu vois, tout ce sens qu'on donne à la vie n'est peut-être pas vraiment le sens, n'est peut-être pas ce que la vie, elle est vraiment. Peut-être que c'est le sens qu'on se donne à soi pour que on puisse être dans un état de bien-être. Et ça, on donne un sens à la vie à travers notre confort, à travers notre idéal, à travers la zone qu'on se fait pour pouvoir être bien, quoi, tu vois. En fait, la vie, c'est quelque chose d'extraordinairement jubilant. Elle ne s'arrête jamais de promouvoir quelque chose. Écoute, tu vois, on va parler ensemble. Ce que la vie, elle est, pour toi, pour moi, penses-tu que la vie en elle-même, elle est différente? Elle n'est pas différente. C'est la vie. La vie, c'est la vie. Et la vie, c'est celle qui, quand il y a du vent qui souffle dans les branches, et que tout bouge, quand l'eau rentre dans les racines de l'arbre et qu'elle donne de la sève et après ça donne des fruits, tout ça, c'est la vie. La vie qui fait que toutes les planètes sont coordonnées, qu'elles bougent ensemble dans un ordre parfait, c'est la vie. Mais tu penses que cette vie-là, elle est différente pour toi et pour moi? Je ne pense pas. Elle est exactement pour toi, comme elle est à moi. En fait, elle fait battre ton cœur. Hein. Il y a du sang qui coule dans tes veines, avec la vie qui fait que tout ça est possible. La vie fait en sorte que tu peux voir, tu peux goûter, tu peux sentir. C'est la vie qui fait ça. Et ça, c'est la vie qu'on a tous. On a tous ça. Et la vie nous a donné tous ces sens pour pouvoir justement goûter à la vie. Parce que la vie s'est manifestée. Donc nous avons tout ce que nous avons aussi, c'est pour jouir de cette vie. Sentir, le goûter, l'odorat, la vue, l'ouïe, tout ça. On accueille tout ça et puis on jouit de tout ça. Mais d'après toi, qui est celui qui jouit de tout ça? Mais tu sais, c'est quelque chose, une question très banale. Mais en fait, peut-être que tu ne t'es jamais posé cette question. Qui jouit de ça? Eh bien, la vie elle-même qui est en toi apprécie ce qu'elle a manifesté. Et ce que tu es, c'est cette vie qui se manifeste à travers toi, et tu apprécies, puisque tu es la vie, tout ce qui a été manifesté par
l'énergie qui est en toi. Donc, c'est un vaste programme qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, parce que la vie, elle est extraordinaire. Mais pourtant, faut-il que nous soyons conscients d'être ça, d'être celui qui manifeste et celui qui est l'acteur de ce qui est manifesté et qui va jouir de ce qu'il a manifesté. Alors, chacun de nous, on manifeste. Ça, c'est sûr. Dans notre vie, on manifeste tous quelque chose. Toi, tu manifestes tes envies, tes histoires, tes drames, la vie que tu as eue. Et tu dis, moi, je suis américain, moi, je suis chinois, moi, je suis... et ainsi de suite. Mais ce que tu manifestes, c'est la connaissance que tu as acquise, en fait. Mais tu manifestes pas ce que la vie, elle est. Tu manifestes ce que tu es devenu à travers tout ce que tu as appris. Et là, la vie, elle est manifestée à travers ce que tu sais de la vie. Puisque tu as une expérience de la vie, tu t'en es souvenu et tu manifestes ça. Mais la vie, quand elle se manifeste, elle n'a pas de commencement, elle n'a pas d'histoire, elle est là, elle se fait d'instant en instant. Mais tu vois, ce que tu veux, toi, c'est que ce qui se manifeste d'instant en instant soit pas trop déstabilisant pour ce que tu as appris. Parce que tout ce que tu as appris, ça t'a donné une stabilité. Tu es dans un domaine connu où tu as fait tes conclusions, tu as fait ta petite vie, tout est arrangé bien, tu connais comment ça se passe, tu as combien d'argent sur ton compte, tu as des enfants, tu as une belle maison, et tout ça, c'est bien rangé. Et tout ça fait que toi, tu crois que la vie... elle va te laisser tranquille. Mais la vie, parce que la vie, c'est pas celle que tu as fait. La vie, elle vient tout le temps, elle continue d'être là. Et même après ta mort, elle sera là, la vie. Après la mort physique que tu as, elle continuera à jubiler, à être en effervescence. Et elle a toujours été comme ça. Mais ce que tu es résiste à vraiment ce que tu as au fond de toi. Au fond de toi, c'est la vie. Mais il y a quelque chose qui fait que tout ce que tu as mis en place est déstabilisé. Donc tu résistes. Tu veux vivre. Ce que tu as voulu, ce que tu désires, c'est ça, c'est d'avoir un monde à toi, à toi seul. Et c'est ça qui nous divise les uns des autres. C'est de vouloir être différent. Et ça, nous l'avons appris à travers toute l'existence. Toute l'existence, on nous dit la même chose. Sois quelqu'un, deviens quelqu'un. Il faut que tu sois grand, fort et beau pour pouvoir réussir. Et donc, nous sommes devenus ce que nous voulons. Mais ça ne concorde pas avec ce que la vie, elle est. Donc, comme toi-même, tu es cette vie, eh bien, tu es en dualité, il y a une dualité qui se passe dans ton corps, dans ta psyché, tout est en dualité. Et ça crée des frottements, de la brutalité en soi. Il n'y a pas de calme,
tout est friction. Tu vois? Et cette friction, ben, au bout d'un moment, elle remet en cause, elle t'aide à remettre en cause toute l'existence que tu as appris à croire que c'est à toi. Parce que la vie, elle fait bien son truc. La vie, elle est parfaite, elle. La vie, elle veut t'emmener à être ce que tu es. La vie, elle veut t'emmener à manifester ce que le plus profond de ce que c'est la vie pour que la vie jouisse de tout ce qui est créé, de tout ce qui est manifesté sur la planète. C'est pas que tout ça soit important, mais tout ça soit joui, tout simplement, et passer tout le temps à autre chose. Puisque c'est une infinité de moments où on apprécie les choses sans vouloir les accaparer. Parce qu'il semblerait, c'est ce qui se passe en nous. Nous voyons quelque chose de beau, et bien nous voulons, on veut se l'accaparer. On voit une jolie maison dans un pré, autour des bois et tout ça, tout de suite, on veut avoir ça. On voit une jolie fille, tout de suite, on veut l'avoir à nos côtés, on veut l'avoir comme un gain de notre existence. Nous prenons des gains pour pouvoir nous sentir bien, alors que si nous faisons ça, la vie qui est d'instant en instant, elle est émerveillante, elle jubile, elle ne s'arrête pas, elle ne rentre pas dans les habitudes, cette vie, elle n'a pas d'habitude. L'habitude, c'est la création de celui qui a peur d'être emporté par cette vie. Tu es toi-même une possibilité extraordinaire. Alors, comment voir que nous sommes tous rentrés dans des histoires et que nous sommes prisonniers de ça et que nous avons fait de la vie quelque chose de laid plutôt que la vie qui est belle, que tu sais toi-même qu'elle est belle. On le dit souvent, elle est belle la vie. Tu vas à la campagne, tu regardes les arbres, les oiseaux, tu regardes la nature, tu vas au bord de mer, tu vois la plage, tu vois les vagues. Tout ça, c'est d'une beauté extraordinaire. Tu ne peux pas faire ça dans le sens où, dans l'idéal de toi, tu ne peux pas prendre ça et dire, ben ça c'est pour moi. Elle n'est pas pour toi. Elle est toi. C'est ce que tu es. C'est-à-dire que tu es la vie qui passe à travers toi. Et cette vie veut jouir de ce qu'elle a construit, de tout ce qu'elle a manifesté. Mais alors, tu n'as pas besoin de propre. Il faut que tu jouisses de chaque instant sans vouloir quelque chose pour te réconforter d'être perdu. Parce que tu ne veux pas être emporté par cette vie. Donc il faut que tu réalises que tout ce que tu veux impose une règle. Une règle à la vie. Donc toi-même, tu es un frein à l'existence de la vie qui passe à travers toi. Puisque ce que tu es est stagné dans le passé. Tout ce que tu réitères, c'est les conclusions que tu as faites de toutes tes expériences. Faut-il vraiment que ce soit clair? Parce que nous allons peut-être aborder d'autres sujets. D'autres sujets que tu as besoin
pour comprendre ça, pour comprendre les autres sujets, pour comprendre la peur, la mort, pour comprendre ce qu'est de vivre en paix sur cette belle planète, pour comprendre comment te débarrasser de toutes les phobies, les peurs que tu emmagasines au fil du temps soit possible. Il faut que tu comprennes déjà la base, c'est que toi, tu te crois être ce que tu as appris, tes acquis, ce que tu penses, tes croyances, tout ça. Tu penses être ça. Mais ça, ce ne sont que des croyances, des histoires. Des histoires que tu te racontes à toi-même en te disant « je vais faire ça, ça et ça » parce que c'est ce que j'ai dans ma tête. Et dans ta tête, il y a des croyances dont ta tête te guide par le bout du nez. Déjà, il faut bien concevoir ça. Et suivre comment on va pouvoir s'en sortir. Suivre une directive. Cette directive, elle est dans la recherche, dans la méditation, dans le questionnement, où tu vas trouver un pas à faire qui va te libérer. Un pas qu'il faut qu'il soit fait dans le doute. Ne fais pas un pas juste pour faire un pas. Mais doute, doute de tout, questionne. Parce que trop de choses sont faites par impulsion. L'impulsion nous fait faire des choses par peur de manquer, par peur de ne pas savoir. Donc, on agit dans l'impulsion. Et en agissant dans l'impulsion, ben, on réalise qu'on a raté quelque chose. On n'a pas fait le bon pas. Et le bon pas, il est perdu. Donc, prends ton temps, questionne-toi. Ne réagis pas selon tes instincts, mais réagis, pose-toi, arrête-toi déjà, pose-toi la question. Est-ce que c'est quelque chose que je vais faire qui va être porteur de joie? Regarde bien si ce sera de la joie ou ce sera juste du plaisir. Parce que ça, tu vois, il y a l'illusion qui nous dit il y a de la joie, mais en fait, elle s'estompe parce que cette chose, elle vient d'une agence extérieure à toi. Elle n'est pas la vie qui découle en toi. Parce que la vie n'a pas besoin de quelque chose pour la rendre bien. Elle est bien, elle est la joie, elle est l'amour, elle est l'harmonie, elle est tout ça, elle. Mais il semble que notre comportement, ce soit d'aller chercher quelque chose parce que on ne veut pas être vide. Parce que la vie, ce qu'il y a là, c'est un grand, grand vide, immense. Et tu veux le remplir. Parce que il t'inquiète. Parce que tout ce que tu veux, c'est bien ranger tes choses. Donc, il faudra aller tout doucement pour que tu puisses arriver à sortir du labyrinthe que tu t'es construit et dans lequel tu t'es perdu. J'ai mentionné dans une précédente vidéo le labyrinthe et sans donner plus d'explications. Je vais essayer là maintenant de rentrer un petit peu plus dans ce phénomène de labyrinthe que nous avons tous dans le mouvement intérieur de la psyché, qui est un labyrinthe
où chacun d'entre nous cherchons une porte de sortie. Il faut dire que ce labyrinthe, elle est faite de toutes nos connaissances. Nos connaissances nous ferment les portes et nous donnent l'impression qu'il y a quelque chose au bout. Mais en fait, il n'y a rien. Il y a un mur et il y a une fin. En fait, puisque la connaissance en elle-même n'est pas quelque chose qui est infini. Tu connais que ce que tu as appris. Il faudra que tu apprennes plus pour pouvoir aller plus loin. Donc en fait, toutes ces connaissances-là, ça te mène justement dans un grand labyrinthe où tu penses pouvoir trouver une solution à chaque fois. Mais cette solution, elle ne vient pas parce que tout le temps, tu te confrontes aux limites de ce que tu connais pour aller vers la lumière, vers la sortie de tout ce labyrinthe. Donc c'est un immense, 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 immense plateau, immense scène où tout le monde cherche, 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 cherche quelque chose. Et pourtant, le fait de chercher, on ne trouve pas la porte de sortie. Alors peut-être que là, ici, on va voir comment regarder ce labyrinthe, comment faire en sorte que nous ne soyons pas prisonniers de ce labyrinthe, toujours en train de tourner en rond dans les connaissances que nous avons. Donc déjà réaliser que la connaissance, elle a une limite et que nous ne pourrons rien faire avec ce que nous pensons connaître. Tout ce que tu penses connaître ne peut que tourner en rond puisque c'est un cercle vicieux de répétition de la même chose en fait. Donc, le labyrinthe est opaque, sombre, et tu ne trouves pas la sortie. Il n'y en a pas. Tu es prisonnier. Ça s'appelle être prisonnier du connu. Mais là, on va dire, c'est le labyrinthe. Un labyrinthe qui est fondamentalement ce que nous avons tous emmagasiné depuis l'histoire de l'humanité. C'est devenu un labyrinthe et que tout le monde s'incarne dedans et on cherche la lumière. Mais la lumière, elle n'est pas là. La lumière, elle est justement quand tu t'élèves, l'esprit s'élève, l'esprit ne reste pas dans la recherche, dans la répétition, elle s'élève. Elle s'élève à quelque chose de nouveau. Elle s'élève en dehors de la capacité de tourner en rond. Elle sort de la roue. Vous connaissez le petit rat qui tourne dans sa roue tout le temps? Il ne s'arrête jamais. C'est ça, il sort de là pour aller au-delà de quelque chose qu'il ne sait pas. Qu'il était prisonnier par sa dépendance, par son goût pour devenir ce qu'il aimerait être. Donc, il s'aperçoit que tout ça, il ne peut pas l'emmener avec lui. Il ne peut pas concevoir une liberté à travers ça. Déjà, ça, c'est la première chose à faire. De concevoir que tout ce que tu as, tu es toi-même, est justement rien d'autre qu'un paquet d'histoires, de connaissances et qui essaye de réagir avec toute cette connaissance pour pouvoir sortir du labyrinthe. Donc, quand tu vois ça, quand tu as compris que c'est comme ça, parce que tu t'es posé des questions, parce que tu t'es battu contre des murs toute ta vie, tu as essayé à tout, tu as goûté à tout, les sorties, les couloirs, tu as prospéré dans tout. Tu as été riche, tu as été pauvre, tu as été chrétien, tu as été musulman, tu as essayé toutes choses pour pouvoir voir quelque chose de plus grand. Mais à chaque fois, tu te butes devant
une anomalie, une vision qui est erronée en fait. Il y a de l'illusion dedans. Et cette illusion t'emmène dans le mur. Et te voilà devant le mur et tu continues à être dans ce labyrinthe sans aucune voie de sortie. Donc, sortir de toute cette idée qu'on trouvera quelque chose est la première chose à faire. S'arrêter déjà. S'arrêter dans un coin du labyrinthe et ne plus vouloir rien, rien faire. Parce que tu as compris qu'il n'y avait rien à faire pour que tu puisses sortir de là. Donc tu t'assois, tu t'arrêtes, tu écoutes. Tu écoutes, tu te poses des questions. Tu écoutes ton cœur. Et dans cette écoute, dans ce questionnement, dans ce silence, ton être, lui, il s'élève au-dessus de ce qu'il est. De ce que tu as fait de lui, il s'élève au-dessus de tout ça. Et quand il s'élève au-dessus de tout ça, il est ce qu'il est. Il n'est plus la connaissance que tu as accumulée. Il est ce qu'il est. Et lui, ce qu'il est, eh bien, c'est quelque chose au-dessus du labyrinthe. Donc, il est inutile d'essayer de trouver une sortie du labyrinthe. Il n'y en a pas. La sortie, c'est vers le haut. La sortie, c'est vers la transcendance de l'être que tu es dans le labyrinthe et de l'être que tu peux transcender. Mais cette action, elle est faite dans une grande grâce. Parce qu'il faut que tu réalises que ce que tu es est libre. Libre de tourner en rond, libre de répétition, libre de chercher, libre de devoir trouver quelque chose. Il est en dehors du labyrinthe. Et ce que tu es vraiment, c'est ça, une chose en dehors du labyrinthe. Une énergie, une expression en dehors du labyrinthe. D'ailleurs, quand toute une vie durant, on a voulu sortir de ce labyrinthe et que tout se passe à l'intérieur de ce labyrinthe est un grand énigme. L'esprit est accaparé à vouloir plus de cette connaissance pour pouvoir savoir s'il y aura une issue. Eh bien, plus tu restes là-dedans, plus il est difficile de s'en sortir. Et plus tu t'arrêtes pour te poser des questions, plus ça devient clair à toi de savoir qu'il n'y a pas d'issue. Que ce labyrinthe, tu es dans le labyrinthe, finalement, mais tu n'es pas de ce labyrinthe. Donc il faut que tu passes à travers une autre dimension, la dimension au-dessus. Ce labyrinthe est voué à la mort. C'est un endroit mort, c'est un endroit mort-né. Où il n'y aura jamais d'issue, il n'y aura jamais de naissance. Il n'y aura que la répétition des choses qui se rénovent, des choses qui se répètent, qui sont amenées du passé. On l'emmène dans le présent, on le concocte et on l'envoie dans le futur. Et ça reste dans le même labyrinthe. Et tu tournes en rond là-dedans. Tant que tu n'as pas compris que tu n'es pas du labyrinthe, et que tu es quelque chose, une autre dimension, où l'être que tu es
a besoin de se transcender de toute l'animation qui se fait dans le labyrinthe. Sortir des sentiers battus, ça se passe par le haut. Il n'y a pas d'autre issue. À toi de voir. Il n'y a personne d'autre qui peut le voir à part toi-même. Moi, je dis ça, mais ne prends pas ma parole pour une certitude. Il faut que tu sois certain, toi. Que tu puisses, toi, voir qu'il y a une autre dimension. Et chacun d'entre nous, quand on l'a vu, on sait. Ce n'est plus quelqu'un qui nous le dit et qu'on croit et qu'on suit et qu'on devient dépendant de cette personne. Mais il faut que tu arrives à trouver ton indépendance en trouvant pour toi-même que le labyrinthe n'est pas la solution. Que tu es autre chose. Et cette autre chose transcende le labyrinthe.